Suban Brasta. Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom sur l'épisode de Far Cry Primal, chers amis. Donc, nous avons un sac de provisions, entre guillemets, ici. Sac de ressources, où est-ce qu'il est? Il doit être en haut dans l'arbre, tout à fait. Hop. Ok. Est-ce que je peux... D'accord, il n'avait rien de plus intéressant que ça à l'intérieur. Je voulais regarder aussi, vite fait, s'il n'y avait pas quelques flèches de plantes dans des trucs ici pour que nous puissions les récupérer, ça aurait été génial. Mais apparemment il n'y en a pas, la base est peut-être pas assez grande pour ce genre de choses. Apparemment c'est le cas. Nous sommes en chasse, chers amis, effectivement. Maintenant je revois ce que je faisais. Nous devons nous rendre ici. Est-ce qu'il y a un campement, lieu de repos? On va essayer de se rendre là. On a aussi des commandes compétences, des points de compétences à mettre, 2. Et aussi un truc en confection, apparemment. Pour le gourdin à deux mains. Ça pourrait être intéressant. Mais c'est pas mon genre de combat. On y reviendra peut-être une autre fois. Un arc amélioré qui me prend donc quoi? Pierre du Sud, caillou du Sud, et là celui-là. Truc du Nord, et là, pierre du Sud pour le... Ça pourrait être intéressant pourtant ça. Haha, hein. Ça pourrait être intéressant. On va attendre un petit peu avant de crafter quelque chose. Pour ce qui est des points, on va attendre un petit peu aussi. On va se rendre au point de campement qu'on a mis là-bas. Pour nous rapprocher au plus possible. D'ailleurs, il y a un point, il me semble, encore plus proche. Après, on ira là-bas. Enfin, même, on peut commencer par celui-là directement. Et on va aller sur ce point. Un yak blanc. Un yak blanc, chers amis, un yak blanc, un yak blanc, un yak blanc. Bourre-le. Allez. Allez. Il part dans la bonne direction, en tout cas, ça c'est bon signe. Parfait. Pour récupérer. La vache, il y a un ours. Deux ours. Il y a d'autres bestioles. Chasse le jaguar. Il est blanc? Attendez, s'il est blanc... Il est blanc ou c'est moi? Je ne vois pas qu'il est blanc, qu'il est clair. Ah non, c'est un classique. C'est un classique. Ah non, c'est moi. Oh là là, j'ai cru que je le trouvais très très clair. Étrangement. Hop, érable du sud, c'est tant mieux. On a besoin d'un bon paquet de choses du sud en fait. Où est-ce qu'est la bestiole qui l'a buté? Là. Le jaguar. Peau de jaguar. Ah, des cailloux. Pierre noire du sud, j'imagine. Cailloux noir du nord. Ah bon? On est repassé au nord. Pierre du sud. Ah oui, d'accord. Voilà la différence. C'est très logique tout ça. Ah, attendez, il y a une cache ici. Ok. Je sais pas. Je sais pas comment faire, par contre il semblerait que le truc soit au-dessus. Et moi je vais là-bas. Ok. Tu peux bien venir là s'il te plaît. Hop. Je regarde vite fait l'heure qu'il est. D'accord, ça me permet de donner une idée sur la durée de l'épisode. Hop. J'entends que ça hurle de partout. Hop. Parfait.
C'est absolument parfait, il y a juste ce qu'il nous fallait. Il y a des gens violents juste à côté. D'un mirage jusqu'au crépuscule. Et on va pouvoir aller chasser ce fameux grand élan que l'on chasse depuis déjà un épisode, je crois. Hein. Bon, bon, bon. Alors, le temps passe, la timelapse. C'est quand même très joli. Hein. Un très, 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 très beau jeu. Alors, nous y sommes. Alors, nous devons aller ici maintenant. Où est ma bête? Tu es là. Allons-y. Je pense pas qu'ils vont s'attaquer à moi, honnêtement. J'en doute. Oula! Ouais, ça a dû faire mal. Hop. Aïe. On y est presque. D'accord. Feu de camp découvert, pourquoi pas. Chasser le grand élan pour Jaima en suivant les lucioles. Mission nocturne uniquement. D'accord. Et il est parti par là. Je me trompe pas, hein. Non ? Apparemment, je me trompe. D'accord. Ok, on y va. Petit à petit. Elle va nous éclairer la voie. Elle n'a pas l'air plus pressée que ça. T'as le feu au cul, hein, quand même. Hein. Oh, la gueule. Elle est pas trop effrayée. Des tapirs. Bouffe-le. C'est pas ça les tapirs? Bon, reviens. Tu l'as eu là-bas? Ça fait loin. Ça fait loin, ça fait loin. La lumière là-bas. Même beaucoup de lumière là-bas. Alors est-ce que ça faisait partie de la musique? Merde, raté. Raté, j'ai raté toutes mes sagas. Hop. 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 Où est-il passé? Bien joué. Par là-bas. Hop. Allons-y. Hop, je crois que je l'ai touché. Hop. Hop, mais meurs. Voilà. Hop. Tiens, prends un petit bout de viande. On va le soigner avant quand on sait comment combien un élan rapporte en viande. Voilà. Vas-y, 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 fais-toi plaisir. Mange. Oh, belle bête. Oh la belle bête. C'est clair que si lui se mettait à me bouffer le bras, ce serait pas pareil. Hein. Hop. Viens par là. Le grand élan.
Terminé. Bon, ça c'est fait. C'est fait, c'est fait, c'est fait. Compétence plus un point. Ah ah, ça peut être intéressant. Alors. D'accord. On va attendre peut-être d'avoir plus de points. On verra bien. Ah, je peux en faire une. Ah ah. On va la faire. La fronde lance des pierres plus rapidement, plus loin et inflige plus de dégâts et peut aussi être utilisée pour détourner l'attention. D'accord. Et en plus, c'est une arme. D'accord. Et c'est une arme que je peux utiliser tout le temps. D'accord. Ça, c'est bon, ça. Faut plus de peau de bête. Tiens donc. Hop. Non. T'as pas bouffé mon tigre à dents de sabre. Mais non. Oui, je l'ai eu. Je l'ai bourré, mais je l'ai eu. T'es sérieux, tu m'as vu? Ah mais merde! Hop, d'accord. Si je lui plante une flèche et que je tout en m'approchant, je peux l'exécuter. Au corps à corps. Ok, c'est bon à savoir. Merde, y'a ma bébête qui va... Oh merde. J'ai pas eu le temps. Qu'est-ce que c'est que ce rouge? Ah non, c'est le jour qui se lève, d'accord. Peau de bête x6. Ah bah tiens, c'est parfait ça. Ok, bon, ça c'est fait. Sur la carte, on est où? On est là. Il y a plein de choses à faire dans ce jeu, de toute façon. Hein. Cependant, on va se rentrer. On va aller voir si on peut pas faire une autre quête. Directement pour le camp. Ça peut être intéressant. Je pense qu'il faut qu'on évolue un petit peu, qu'on évolue au niveau du nombre de quêtes faites pour les... On va appeler ça les habitants, on va dire. Hop. Voilà, ressources pour le village. On est full plus ou moins de partout. Ok. Ok. Bonjour, j'ai fait ta quête. Est-ce que c'est ça? Est-ce que je rends la quête ou est-ce que j'en prends une nouvelle? Hello there. Oula, c'est violent ça, un grand loup, d'accord. Grand ours. Tu as la peau d'un bébé, avec les cons. Ouh. Oula.
Non, je veux pas les tuer, je veux les apprivoiser, moi. Ah non, moi je veux pas les tuer, les grandes bébêtes, moi. Je veux leur monter dessus. Ok, chasse aux crocs de sang. Ah! Oh, ça me plaît, ça. Ça me plaît énormément de ça, tout ça. C'est les grandes bestioles, justement. Ah! Oh! Oh, que ça me plaît. Il n'y avait pas une de plus, voilà, il y en avait une ici. Ah, la vache, ça va loin dans le sud. Ok. Ok, ok. Votre village, nous... D'accord. Ça, je veux bien avancer dans l'histoire, mais il n'y a pas de souci, hein. Hop, on va la récupérer un maximum de quêtes, alors, du coup. Yo, l'ami! L'ami poilu. D'accord. Pourquoi pas? T'as pas eu le droit à ta cinématique, c'est dommage. Au nord, c'est où? D'accord, c'est ici, ok. D'accord. Ils ont plein de quêtes, c'est génial. Alors toi t'es qui, que je me souvienne? Ah oui, le vieux fou. Le manchot au couteau. Voilà, c'est ça. Reviens quand je finis. Ouais, je l'ai trouvé. Oh, manchot! Ouais. Par contre, maintenant t'as plus de boules. C'est dommage, t'as plus de main. Enfin, il te manque une main. T'as plus de couilles. Le pic de Rose. Et normalement, c'était la dernière quête que j'avais dans la région. Oui, c'est ça. Par contre, j'ai cru en voir d'autres apparus. Non, je me trompe. Ok. Ah non, pourtant par là, il y en a bien eu. Il y a bien quelque chose là. Au sud. Je me trompe? Regardez, je me trompe pas. Ah oui, non, c'est l'autre bonhomme. C'est l'autre bonhomme qui va me proposer une quête aussi. Ah. On grimpe. Voilà, hop. T'as pris un bain, ça fait du bien. C'est lui qui hurle comme ça? Qu'est-ce qui t'arrive? Oh la vache! Il est complètement brûlé! Il est complètement brûlé? Oh putain! Hi, Hydram. C'est Alia. Inacha. Sushelheim Winja Twalsha. Karwiwa Baug. Varti Bishwa. Je suis d'accord avec lui. C'est Shaius Laudra Gouache. Alia praste atti. Sushelhain salga takar. Et nasta winja lausha. Compte sur moi. Là, ça va pas. Ça va pas durer longtemps. Je les aime pas, ceux-là, déjà dès le départ. Ouais, non. Là, on va pas être copains avec eux.
Bouffer les gens, c'est quelque chose. Les griller avant, c'est encore pire. Non, là, je vais pas apprécier ça longtemps. Alors, déjà. Où est-ce que sont toutes ces quêtes? Ok. Et lui, il y a lui là, d'accord. On va commencer par celle qui est la plus proche. On va commencer par celle qui est la plus proche, chers amis. En plus, elle est vraiment pas loin. Ensuite, on va peut-être, dans le prochain épisode, je pense qu'on ira farmer un petit peu quelques compos. Pour améliorer le village. Je peux grimper? Je peux grimper. Je suis pas dans le village, là, oh. Hop. Je suis encore dans le village, là. Là, je n'y suis plus. Parfait. Cassez-vous. Allez, viens. Viens, Diego. On continue. Oh, c'est beau, regardez ça. Oula! Civilisation. C'est pas naturel. Yo vous autres. Ah, c'est gentil. Vous me donnez vos trucs. Il veut pas de bouffer, Diego, il est sympa. Il veut juste jouer à chat. À coup de dents. Va manger, Diego. Allez, mange. C'est bien que tu te nourrisses. Allez, nourris-toi. Mange. 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 T'es bien. Bon chat. Bon chat. C'est bien. Je suis curieux de voir en fait si le corps va être déformé ensuite. Oh la gueule! Ils ont été jusque là! Oh la gueule. Bon, on y va? Parfait. Parfait, bon, on y va. Allez, me douter, ça s'appelle pas. La griffe de l'aigle pour rien. J'imagine. Qu'est-ce qu'il y a dans le coin? De l'argile. De l'ardoise. Pourquoi je dis toujours argile? C'est un facochère. Ce très jeune facochère. J'étais jeune facochère. Bel organe, merci. Moi, c'est les filles qui me disent ça, bel organe. C'est rigolo. Et bouffe-le! Boum! Voilà! Vous voulez encore. Oh! Cache de s'agnomer la peinture épaisse pour trouver une ressource rare dans les environs. Putain. Il a l'air d'y avoir une. Une hutte. Et dans la hutte, il y a quelque chose. Vous voyez une hutte, vous, chers amis? Ah, je me rappelle de ce truc-là, c'est illisible. Une hutte près de l'eau avec des grands sapins. Ah, il y a surtout un grand mammouth.
Hop, on va traverser à gué. Hop, et ben non. Y a pas de croco. C'est pas un petit mammouth. On va prendre l'ours des cavernes. Et on va le faire attaquer un mammouth. Il nous faut de la peau de mammouth. Hop. Hop, parfait. Il nous faut de la peau de mammouth. Dépecé. Vache. Parfait. Hop. Y a pas de bestiole dans l'eau. Par contre, il y a de l'ardoise. Hop. Ça, c'est bon. Vous voyez une espèce de planque quelque part ? Couchez la dole. C'est une plante ou c'est un mec là-bas ? Ça doit être un mec. Ou une plante. Ou un mec. Ou une plante. Tiens, mange ! C'est du bien. Salut. Ok, on a des potes par là, c'est pas mal. Si c'est une dole classique. On n'a pas encore apprivoisé de dole classique. Hop, parfait. On en avait pas, maintenant ça nous en fait une. Lion noir. Écoutez, on va prendre le lion noir, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu celui-là. Je me rappelais même pas que j'en avais un. Eh ben il est beau. Nom de Dieu. Qu'est-ce qu'il est beau. Putain. Il est un peu petit mais... Marque les ennemis proches, c'est pratique ça. Tiens, va manger. Ça fait longtemps que je t'ai pas nourri. Hop. Alors apparemment dans le coin, il devait y avoir une espèce de... de hutte. Et il y aura rien. Par contre, c'est extrêmement joli dans le coin. Il n'y a donc pas de hutte. Et c'est véritablement dommage. Bon. J'imagine qu'il faut qu'on grimpe là-haut. Couché. Allez. Le pic d'eau. C'est parti, on grimpe. On va bien voir. Hein. S'il faut que je saute. Hop. Hop. Pourquoi pas. On va aller là-haut. On grimpe là. Hop. On passe en dessous. C'est quand même hyper joli, hein. On va grimper là. Pour trouver les plumes d'aigle rares pour vos gars. D'accord. Ah, il y en aura bien une par là. Hop. Ah, oula. J'ai pas réussi à le taper.
sale bête. Vas-y, viens. Merde. Hop là. Dommage. Il m'a volé dans les plumes celui-là. Vas-y, reviens, reviens, je t'attends, viens, 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 viens voir papa. Viens voir papa. Allez, je t'attends, je te dis. Il arrive. Raté, je suis mauvais, hein. Je suis vraiment mauvais. Oh mais non! Comment c'est possible ça? Tiens, bouffe! T'apprendras. Ok, on a plus de flèches. Hop, parfait, on a refait le plat. Comment ça? Ah oui d'accord, faut que je monte encore. Parce qu'il faut que je monte encore. Bon, là je peux pas remonter par contre. Donc par où faut que je passe? Ok. Soigne-toi. Tu veux bien grimper? Non? Ah d'accord, il y avait un truc là en fait, je suis trop con. Je suis trop con. Hop là. C'est quoi ça? Je sais pas. Ah, fallait, je peux les casser, d'accord, bah fallait me le dire. Fallait me le dire. Merde. Viande x2. Bois d'aulne, c'est bon, j'en ai plus besoin. Ok. Hop. Parfait. Continuons à monter. On n'a qu'une plume sur 4, je précise. Hein. C'est donc clairement trop peu. Oh non. Hop, bouffe. Alors le poulet. Alors le poulet. Oh putain, je crois qu'il allait tomber. Oh la vache, j'ai vraiment cru qu'il allait tomber. Et de deux. Oh la vache, c'est chaud. Oh putain. Oh putain. Oh putain. Ok, je le mérite. Je le mérite clairement. Faut grimper par là. Est-ce qu'on peut éviter maintenant ce genre de choses avec la griffe? Ça me fait peur. Oh. Oh non. Oh que non. Non, salaud. Salaud. Raté. Raté. Viens voir papa. Tiens, bouffe.
Merde, j'ai lâché une deuxième flèche. C'est pas grave. Hop. Une espèce de totem. Donc je suis pas le premier à monter ici. Ça, je le sens pas du tout. Ok. Oh là là. Ok. Plonger dans l'eau. Attends, t'as dit quoi là? Plonger dans quoi? Attends, comment ça plonger dans l'eau? Oh putain. Je déteste ça, chers amis. Donc on en profite. Nom de Dieu, sa maman la catin! Oh la gueule. En plus, quand tu plonges, tu vois que sur le caillou qui est là, il y a un cadavre. Oh la gueule! Et tu vois qu'il a le bras cassé. Est-ce que ça veut dire qu'il a eu le bras cassé? Bah non, il a pas eu le bras cassé comme ça en plus, lui. Il fallait pas qu'on pêche aussi, chers amis? De mémoire? Qu'est-ce que... Non, d'accord. Ok. Ok, bon. Au moment où on a plongé, donc. Et maintenant? C'est bon, elle est faite, t'inquiète! Espèce de grand malade. Bon. Bon. Y a plein de choses qu'on doit faire, chers amis. Il y a plein de choses qu'on doit faire. Par exemple. Cet arc, on doit le faire. Il me faut quoi? Cèdre du Nord et argile du Nord. Ce qu'on peut aller faire, chers amis, c'est qu'on va très rapidement. Normalement, je suis pas censé le faire. Parce que l'épisode devrait être fini, normalement. Oui, depuis déjà pas loin de 10 minutes. On va essayer d'aller choper rapidement. Extrêmement rapidement, maintenant qu'on a les fringues adéquates. De quoi faire cet arc. Qui est un arc à longue distance, en guillemets, si on peut dire ça comme ça. Qui va nous permettre, en fait, simplement de... crafter, enfin de tirer nos ennemis de plus loin. Et ce qui est plus pratique pour les bases, tout simplement. Hop. Là, on en est où niveau confection? Hop. Il faut plus que de l'argile du Nord. Et je crois qu'il y en a un petit peu là. Non, caillou du Nord. L'argile du Nord, elle va être dure à trouver, par contre, je pense. Je vais vérifier ce que c'est. Mais je pense que c'est un caillou du Nord. Caillou noir du Nord. C'est ça. Fait chier, ils sont nombreux. Hop, dégagé. Alors. Tiens, bouffe. Hop. Voilà. Crac. Alors, vite, bois dur. On doit faire vite, on a dit, chers amis. Fleur mauve. Là, on a de l'approche. Caillou noir du Nord, dommage. Dommage. Une grosse bébête. Oh, t'es sérieux? Voilà. Hop.
Là, il y a du caillou là-bas. Waouh, il y a du loup là. Dégagez. Dégagez, je vous ai dit. Hop. Ah, encore un caillou noir. Là, c'est un caillou noir encore ou c'est autre chose? Caillou noir, j'imagine. Argile. C'est de l'argile. C'était de l'argile qu'il me fallait ou du... ici. Non, c'était de l'argile, c'est bon. Parfait. Hop, on a l'arc. Dégâts 5, précision 9, cadence de tir 4. D'accord, il tire moins vite, tout simplement. D'accord. Changement d'arme. Vous venez de débloquer une nouvelle arme. Vous pouvez débloquer plusieurs armes du même type dans votre menu confection pour changer d'arme dans certains... D'accord, pour parcourir les autres armes disponibles. D'accord, donc voici l'arc classique. Enfin, l'arc long, et voici l'arc classique. Ok. Forcément, il n'y a plus de houdam là. Oula. Oula. Le lac au pied de la Parkoun. Il y a un lac? Oh. Intéressant tout ça, dis donc. Bon. Bon. Ah oui, fallait que je vérifie encore autre chose, chers amis aussi. Hop. Je vais pas pouvoir le faire cette fois-ci. Bon, c'est pas grave. On est bien au nord, en plus, c'est sympa par là. Donc, on va se rentrer, chers amis. On va rapidement ensuite mettre fin à l'épisode. Je pense. Je regarde l'heure qu'il est, mais oui, je pense qu'il va falloir qu'on mette fin à l'épisode. Je voulais juste vérifier deux, trois petites choses ici. Donc, chez notre... à notre village plutôt. Est-ce qu'il y a un champ de tir? Car s'il y a un champ de tir, il y a normalement des flèches dedans. À la Skyrim, à la Oblivion, vous savez. En tout cas, j'y crois. Oh, je peux l'améliorer? Ah non. Non, il y a encore du boulot pour l'améliorer ce truc-là. Ok, dommage. Il n'y a donc pas de champ de tir. Ah, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Oui, c'est vrai que ça aura fait des flèches gratuites dès qu'on lance le jeu. Ça aurait été un petit peu trop généreux, peut-être. Bon, c'est pas grave. Eh bien, écoutez, les amis, on va aller se mettre autour du feu et on va se laisser là pour cet épisode. En tout cas, merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le pouce, vériser, le commenter, le partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom. Notre lien dans la barre de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens. Et yop.